nasabukule tuulitokashebote eh. tunene mutima wa kubipa wenaefaile e mitdbuoyambu mutalokola mutakula miye baba yenu ntondo na kuwaka akean kwa batu bote lakini bantu bengenjo baba ya Bonjour tout le monde, c'est la princesse Chantal Kandukunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulo Pointondo Kawanga 3, Katina Mubila, Mwenantondo. Je viens avec un break news, ça veut dire une nouvelle très importante qui vient de me tomber dessus à travers un message transféré inbox. Je vais vous dire ce message. Il s'agit de quoi Et ce message a été signé. La première chose que je vais vous dire, c'est ceci. Je suis très fâché, indigné, et je demande à la communauté des à les Baïek et les enfants de Munongo de cesser d'envoyer les gens pour insulter. Cette fois-ci, on vient d'insulter un grand roi, un empereur des Balunda. Le moins moins de Je crois que vous devez savoir où arrêter. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Je viens vous expliquer de quoi il s'agit. Vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez imprimer et faire ce que vous voulez avec les informations que je vous envoie. Afin de vous permettre de faire vous-même l'analyse, je mets le transfert qui m'a été. Inbox, j'en ai discuté longtemps avec euh, les intéressés. Certains vrais notables Katangé. et les notables Round, les Arund. Vous allez comprendre quand on va faire l'analyse ensemble et je viendrai commenter après et vous donner le message qui m'a été transmis pour vous. Voici le message. Un serviteur du chef caneraner à a essayé de dénigrer les chefs coutumiers rondes sur la toile, entre parenthèses, forum loiseau politique. Hier, disant que ces derniers ne sont pas des, ne sont pas comparables aux chefs coutumiers de la chefferie de Bayeke. Et il poursuit en disant ceci. Les chefs coutumiers rondes se déplacent avec des motos alors que ceux de la chefferie de Baeke ont des véhicules achetés par le roi de Baeke. Pour conclure, il dit que le chef Kaneranera est le meilleur gestionnaire de tous les Katanga. Il dépasse de très loin les Mointiav, car le Mointiav perçoit aussi des redevances minières, mais on ne sait pas ce qu'il fait avec. Après, on sait qu'il a parlé, qu'il est, comme on dit, il boit et il fait n'importe quoi avec l'argent de la redevance minière en parlant du Mointiav, tout ceci se passe sur un forum qu'on appelle, comme vous avez entendu ou vous avez lu avec moi, Forum Luanzo-Politique. Ce forum est composé en majorité des gens de Bunkea, les Bayeke. Et l'auteur de cette lettre a été introduit dans tout. Les forums où il y a les et où dirigent les et les forums à connotation katangaise, sous la demande de maman Inamisi et de la fameuse Odile Munongo aux États-Unis qui envoie des unités à tous ces gens-là, à travers MoneyGram, Money Transfer directement des États-Unis sur leur téléphone pour qu'ils ne manquent pas des méga qui surveillent tous ces forums-là. Enfin, quand quelqu'un parle de bunker, qu'on puisse directement l'insulter. Par entre parenthèses, cet insulteur que je mets les noms ci-dessus parce qu'il a signé sa réplique réponse à, aux attaques qui lui ont été faites par justement les gens de Bunkers aussi qui sont pas d'accord avec la gérance et l'usurpation de pouvoir de leur grand chef nera entre parenthèses. Alors ce petit insulteur, il est là. En train de, comme on dit, il n'a pas peur. C'est une, euh, comme on dit, un GI comme j'avais dit dans un de mes audios. Mais il est payé tout le temps. Son travail, c'est d'insulter. Et quand vous entendez ses interventions, il a toujours des gens derrière lui qui le dictent ce qu'il dit. Quand vous regardez ses vidéos, il est toujours en train de regarder à gauche, à droite, comme un petit voleur là, parce qu'il a des gens autour de lui qui le filment. Donc c'est une petite marionnette de la chefferie des bunkers qui est envoyée par ces gens-là pour insulter la population qui essaie de découvrir la vérité sur ce qui se passe dans cette chefferie-là inventée bâtie par des gens venus de Tabora, de Tanzanie, en tuant nos frères Katangais qui se révoltaient et qui voulaient leur indépendance. Ils ont falsifié l'histoire. Et comme maintenant, ils savent qu'on est à l'ère du verso, ça veut dire tous les astres s'alignent maintenant dans le ciel, dans l'univers, pour nous aider. Nous, les Congolais, en particulier les Katangais qui ont beaucoup souffert de ce mensonge, de ce meurtre qui a été commis sur nos terres et qui a été transformé en gloire pour le tueur, le meurtrier de Moussoumba qu'on appelle Ngelengwa d'origine, avait d'abord commencé par prendre le nom de, de Mouchidi, emprunteur de Kazembe Mouchidi qu'il avait tué en, en Zambie, en Rhodésie du Nord, avant d'arriver à Okatanga, où il est venu tuer les éléphants en masse, on va y arriver. Je vais venir avec cette histoire-là. Voler, comme on dit, nos richesses, nos mikubas. Les croisettes qu'on faisait à l'époque, c'était la monnaie d'échange dans toute l'Afrique. Il allait porter les ivoires aux vendeurs qui étaient, qui attendaient sur la côte des Tipo. -tipo Cet type est repris et étudié en Tanzanie. Il est dans les, dans les, dans les musées des esclavagistes de, de la Tanzanie. Et comme par hasard, chez nous, on les fait passer pour le euro et les descendants sont en train de nous esclavagiser encore davantage en prenant nos terres, en devenant le roi des rois et en prévoyant que le Katanga les appartienne à 100% parce qu'ils vont faire une dynastie de ça. Ils ont juste aveuglé Abrutis nos jeunes qui ne veulent pas se réveiller et comprendre la vraie histoire. C'est vraiment pathétique et nous, on va pas arrêter à vous ouvrir les yeux. Malgré que nous sommes insultés par nos propres jeunes, ivres de l'argent qui leur appartient mais qu'on leur donne à compte goutte on les bêtise, on les prive des soins de santé, on les prive des terres, on les prive de travail, on les prive de tout et de l'avenir en général. En continuant de pratiquer une forme d'esclavagisme moderne aujourd'hui. Avec un peu d'argent, ces jeunes-là sont contents. Ils vont boire, je ne sais pas ce qu'on appelle de l'alcool local, les loutoukou les ododo et je ne sais pas les munkoyo, les makarila. Donc c'est une boisson, comme on dit, de palme fabriquée localement. On laisse fermenter, ça devient, ça rend fou ça détruit les cerveaux, surtout les ventres vides, comme on dit, n'a point d'oreille. Donc ils sont là en train de chanter les dialles. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir quand on leur dit, sortez dans la rue, portez vos bisabas. Les bisabas, ce sont des fétiches à l'africaine. Les fétiches que Mushiri, l'alias Musiri était habitué à faire dans toute son entité. Quand vous allez aujourd'hui dans les rues de Bunker, dans chaque rue, il y a un mufu qu'on appelle un féticheur. D'ailleurs, les papa de Munongoshombeka. Godefroy qu'on appelle, c'était un féticheur. Les gens ont tellement eu peur de lui qu'il a succédé à leur chef de l'époque. Mais ce type a fini comment Il a bouffé un bébé anthropophage. Ils n'ont pas fini jusqu'à aujourd'hui. Il a bouffé un bébé, il est mort en prison. Les papas des Mounongo Chombe, quoi, qu'on fait passer aujourd'hui pour les héros Katangais. Ces gens sont tellement malins. Ils nous ont infiltrés. Comment se fait-il qu'un Tanzanien, même s'il a épousé une fille de chez nous, peut venir terroriser toute l'Afrique centrale? Le Katanga est devenu roi de roi. Est-ce que vous vous posez des bonnes questions? Hein? Est-ce que vous êtes normaux dans vos têtes? Ceux qui sont en train d'applaudir derrière, vous êtes des esclaves et vous resterez toute votre vie. Parce que les mounangos sont en train d'applaudir, de riconner. Ho ho ho, on a réussi encore un peu, les katanga est à nous, on devient des monarques. Du katanga avec l'aide des katanga. Ce discours-là, c'est dimanche de la bouche de Patrick Massengo, le futur président du katanga. Qu'on a déjà choisi par la famille Munongo. Ils ont fait, comme on dit, un conclave familial entre eux. Ils ont choisi l'homme qui va les représenter le mieux. C'est lui qui va écouter ce qu'ils disent parce qu'ils l'ont pris en charge pendant beaucoup des années. Patrick Masségo, je connais très bien son histoire. Je viendrai vous expliquer après. Parce qu'il m'a emmerdé. Il a demandé à ma famille parce que c'est lui, maintenant, je comprends, qui demande à ma famille, comme on a été proches, ce garçon, il venait tout le temps manger chez nous. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement. Je vous expliquerai après. Donc, il a infiltré ma famille pour prendre des informations, aller donner aux insulteurs. La question qu'il a posée est celle-ci. Est-ce que Da Chantal a déjà eu des enfants hors mariage ou avant de se marier Vous savez ce qu'on lui a répondu. S'il si y a une personne qui a, comme on dit, une réputation droite qui a une vie irréprochable, c'est bien elle. Alors ne venez pas chercher de la merde là où il n'y en a pas. Et c'est comme ça qu'il a éveillé l'attention de ma famille, maintenant qui sont derrière moi à 100%, qui me disent, va à fond, parce que ces gens-là commencent à jouer avec nos pieds. Je parle à, à toi, Katangay, idiot, qui m'écoute qui s'est dit indépendantiste, qui fait couper les Katanga. Sans comprendre l'histoire même du Katanga, tu vas laisser ta vie sur la rue. Tu vas laisser tes dents sur la rue. Parce que tu es en train de suivre des esclavagistes, des tueurs, des gens sans cœur, des gens qui veulent juste le pouvoir, qui sont en train de se pavaner à travers le monde, qui ont fait faire un faux film sur leur, leur gloire, leur royauté. Tu es en train d'écrire toi aussi les éloges des mounongogos de froid, que vous ne savez pas qui était ce type parce que vous ne cherchez pas à savoir. Il y en a certains qui m'appellent inbox pour dire, maman, on sait, mais on n'a pas la possibilité de faire autrement. On vit ici, on travaille avec eux et ces gens-là sont des spécialistes en poison. Si vous ne changez pas votre attitude et que vous continuez à intervenir, je parle à tous ceux qui m'ont appelé pour me dire des choses pareilles. Je vais vous citer, vous serez obligé de prendre vos responsabilités. Arrêtez de détruire le mind, le comment on dit l'esprit de nos jeunes, s'il vous plaît. Ça suffit, réveillez-vous. C'est comme je vois maintenant sur WhatsApp, on est en train de faire des éloges à cet enfant de truand. Cet enfant qui a aussi tué... Qu'on appelle Godefroy Fouakio. Il a foi qui a qui Il a fois qu'il a pas les Kassayens Comme vous faites passer... Il a fois a les Katangais... Les Baloubakat. Posez bien la question... Vous allez savoir l'histoire... Vous êtes en train de dire quoi Un peuple qui oublie son passé... N'a pas d'avenir... Alors vous voulez que les Katangais... Les Mukunda... Les Basanga Oublient leur passé... Mais vous êtes malade? Pourquoi nous on dort bien notre passé? Qu'on est venu tuer nos ancêtres et vous voulez que notre passé soit le passé des gloires que vous faites à Monongo Mais soyez sérieux! Vous êtes des gens qui font mettre en cours au tribunal parce que vous êtes en train de détruire toute une nation. Arrêtez. Même Nicolas Sarkozy l'avait dit. Le peuple africain se meurt par manque de connaissances. Vous ne connaissez pas votre histoire. On peut faire de vous ce qu'on veut. Mais moi, je dis, le peuple africain, le peuple katangais, se meurt par connaissance. On vous dit des choses, vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Vous allez crever comme des, 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 des oiseaux au soleil, des poissons qui sont sortis de l'eau et qui n'ont pas d'eau. Ils sont avec la bouche ouverte en train de chercher de l'eau. Alors que la rivière est juste à côté. Qui t'a dit de sortir de là Bouge-toi, entre dans la rivière et va respirer. De toute façon, si vous n'arrêtez pas, nous on va vous arrêter. On est en train de vous arrêter. Laissez nos jeunes tranquilles. Allez, comme on dit, instrumentaliser les gens de Tanzanie, de à d'où vous êtes venus. Ça suffit. That is enough. Stop. On est au 21e siècle, je vous ai dit. Les astres sont alignés dans les ciels. Maintenant, je vais vous donner le message que m'a donné l'envoyé spécial de l'empereur Moentiav que je respecte beaucoup, Moentiav mon Muenyabulongo. Mes respects. Ce message vient d'un des gardiens de pouvoir de l'empire Lunda. Il m'a dit ceci. L'homme blanc est venu nous coloniser par le terme bas. Quand vous entendez un peuple qu'on appelle, par exemple, Balunda, Bakunda, Basanga, Babemba, Baivi, 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 Baivi tous les bas qui sont dedans, les Baluba, -ba, les ba, -ba, -ba c'est une forme de discrimination pour que chacun se sente appartenir à un peuple à part pour se dire qu'il est différent de l'autre. Les Lunda, c'est un peuple qui englobe tous les frères et amis. C'est de ça qu'est composé l'empire Lunda. Et les gens ne comprennent pas, ils font l'amalgame terrible. Quand on ne sait pas, on se renseigne. C'est ça même la fierté de l'homme. C'est ça même la richesse de l'homme et la richesse même de l'histoire. Les Lunda, nous sommes parmi les Lunda, nous sommes les amis, les frères et la famille de la tribu des Rund. Alors, les Sangas viennent du mot basanga, comme on dit les bas là devant, qui fait déjà la différenciation des cultures qui est défendue par nos esprits. Les esprits des ancêtres ne veulent pas étudier les termes. Ba. Il utilise A, Arund, Asang, Abemba, Alamba. Les Sangas, c'est un peuple qui vient du terme Kusangana. C'est réunir. Quand vous regardez la tribu que vous appelez aujourd'hui des Sangas, elle englobe beaucoup de peuplades là-dedans. Il y a les Kaonde qui sont dedans, il y a les Bakunda, excusez-moi, il y a les peuples Kunda qui sont là-dedans. Bref, il y a plusieurs ethnies qui sont assemblées. Et maintenant, ceux qui nous ont infiltrés dans les Sangras, c'est les Yeke. La tribu Yeke n'existe ne, pas, ça veut dire chasseur d'éléphants. Cette tribu-là s'appelle les Basumbois de la Tanzanie. Ils se sont transformés en Yéke pour se camoufler et nous pénétrer jusqu'à la moelle épinière. J'ouvre rapidement une, une parenthèse que je viendrai vous parler plus tard, les, les peuples Kunda, d'où on vient, qui on est. Juste pour vous dire quelque chose, on descend quelque part des Luba, des Et les yé le savent très bien, quand vous regardez bien, comme on dit en lingala, On dit en swahili, On dit en français, ils sont en train de faire que deux frères puissent se taper la tête. Les insulteurs des Kunda, c'est sont les Lubas. Les Lubakat, utilisés par les Basumbois, divisés pour régner. Je ferme cette parenthèse là, je viendrai vous expliquer après. Mais dans ça, les peuples Kunda sont dans ce qu'on appelle le conglomérat des Lunda, de l'Empire Lunda. Nous, on est des frères et amis. Et nous sommes ensemble dans les dix avec les autres tribus qui font le Luanzoland. Chamoange est un Mukunda, Descendant de Kassongwanyembo, de la famille d'Entondo. C'est pourquoi Mpande et Entondo ont toujours été frères. Quand Chamoange a quitté sa famille, il est parti épouser Inakiluba. Inakiluba qui était enceinte d'un des frères de Rouège, un, un round où ils ont eu le premier mpande. Donc vous voyez un peu comment l'histoire est riche. C'est vrai que vous avez les histoires qu'on vous raconte à la maison, mais il faut avoir plusieurs histoires de votre ethnie, de votre tribu, des ethnies frères, pour compléter l'histoire, parce que ce n'est qu'une partie. C'est vrai. Il y en a qui refusent leur histoire. Ils veulent devenir aussi suprêmes. Non, il faut respecter l'ordre. C'est ça la sagesse même qu'on nous a appris dans notre culture sangra. Mololoke. Vous voyez un peu? Je vous veux, je veux raconterai l'histoire des, des gens de Ntondo en détail. Parce que le chef Ntondo Kawanga III est plus de dixième de chefs. Je n'ai pas voulu parler de ça jusque là. Parce que tous ces gens-là, si tous les bassumbois, ils attendent, ils ont donné six chefs, ce qui est faux. On est plusieurs. Je connais le, la légende même, comment ils sont venus et arrivés sur ces terres-là. Et je viendrai vous expliquer. Dans la série même réservée à Ntondo, Tondo. Tondo l'a indiqué sur mon père et resté plus de 60 ans sur le trône. Il n'est pas entré, bébé. Il est entré adulte. Ce chef a connu Moussiri et la période. Donc, il n'y a pas très longtemps, on connaît bien l'histoire. On va venir vous raconter. Quand on vous parle des horreurs, c'est parce que les vivants ont vécu ça. Et dans la bouche du gardien de pouvoir des Rundes, il m'a dit ceci. Maman princesse, dites à la population. Que nous, les témoins de l'histoire, on est encore vivants. Ne croyez pas qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne sait pas ce qui se passe. Les temps sont arrivés, on va entrer sur la scène. Mais on vous remercie vraiment de prendre toute la charge de la population tout entière katangaise et du Congo en général. Pour venir défendre notre cause, vous mettre de l'avant et ramasser toutes les insultes. D'avance, nous, on vous demande pardon. Chacun doit savoir prendre sa responsabilité. Je demande au, ple au peuple ronde qui se disent de l'association socioculturelle diva de mettre fin à ces polémiques qui passent dans le groupement ou dans la chefferie des Bayeke. Les insultes qui font envers le moindiav, il faut arrêter ça ils le font en public pour diminuer tout le monde autour d'eux on va arrêter cette usurpation de pouvoir c'est ça qu'on vous démontrera les méfaits des associations socio culturelles que moi j'ai toujours été contre nous sommes les mêmes mais c'est drôle qu'un sangha comme un Mukunda comme moi, ne peut pas entrer au Buluba Ibukata, alors que nous sommes leurs enfants. Je ne peux pas entrer à Diva, Divar, alors que je suis leur enfant. J'entre à Saint-Pierre du côté de ma mère, à Luanzo, du côté de mon père, mais si j'étais seulement Saint-Pierre, euh, je n'entrerais pas à Luanzo. Alors que c'est les Basanga, 10 Sanga, des Bantubote. Hum? Alors que l'Empire Lunda, c'est tous les frères et sœurs. Sans oublier, les Batabwa, les Balamba et toutes les tribus qui font partie du Katanga, qui sont juste séparés. Un président d'une association, à un militaire à une Jeep, alors qu'un chef coutumier qui est au-dessus de lui, marche à pied, à moins d'être minier ou d'être corrompu, ou d'être nommé par qui Toujours par l'Anatec qui est dirigé par qui pas bah, le président des chefs coutumiers, M. à venir de la Tanzanie, Kanera Nera, du nom de la Tanzanie qui n'existe même pas au Congo. Soyons sérieux. Il faut changer cette histoire-là. Je laisse cette charge-là en détail à M. Sayambo, Mac, Aigle de Colouésie, Le Grand Baben qui fait ses recherches et qui va vous revenir avec tous ces détails. En attendant, maintenant, je vais vous donner un message particulier à moi. Étant la princesse de Bakunda, celle qui prend toute la charge du Katanga aujourd'hui, que son peuple a été meurtri, tué, et que le Katanga ne s'est pas levé, il ne se lève pas pour défendre sa population, il se lève pour défendre, comme on dit, l'étranger, venu d'ailleurs, à cause de quoi Des poupou qu'ils ont amenés dès le début pour tuer nos ancêtres. Je vais vous dire quelque chose, message de paix, que vous m'aimiez ou pas. Vous me démontrez déjà comment vous m'insultez, ça ne me regarde pas. Vous êtes en train de vous bondir, vous, vous maudire vous-même. Voici mon message. Celui ou ceux qui vont sauver le Congo, l'humanité tout entière, c'est celui qui saura mettre la paix réelle entre deux peuples. Le Katangé et le Kassaïen. Ces deux peuples-là ne se sont jamais, jamais, jamais battus. Ils n'ont pas réellement des problèmes. Toi, Katangé, regarde ton ami Kasaï en face. Regarde si ses ancêtres ont tué ta famille, ont tué tes frères, ont tué tes soeurs, ont tué tes ancêtres. Tu verras que c'est non. Le Kasaï fait la même chose dans la rue. Regarde le Katangé. Pose-lui la question. Pose-toi la question. A-t-il déjà tué tes frères, soeurs et tous les bazars Non. Alors pourquoi vous vous battez Parce qu'un moussoumbo est derrière, en train de vous diviser, indépendantiste, en train d'envoyer les enfants katangais de tuer les kassaïens. Les kassaïens, s'ils viennent au Katanga, c'est pour chercher du travail, c'est pour travailler. Où est le mal Le pays est grand, il y a la place pour tout le monde. Nous, les natifs, comme on dit, les autochtones. On vous a reçu, vous, les bassoumbois Mais on vous a reçu sur coup de quoi? Des carabines et des balles. Vous nous avez tués, vous vous êtes imposés. Les Cassaïens, non. Ils sont venus travailler. On vous empêche pas, vous, Katangay de travailler. Aujourd'hui, les bassoumbois ont vendu toutes vos terres. Ce sont des carrés miniers. Même vous-même, vous, -même, vous n'avez plus de terres. Vous n'avez plus de chefs. Les chefs sont josifiés. On est en train d'insulter vos chefs aujourd'hui. Alors, je vous demande tous, les deux communautés, déposez les armes et travaillez ensemble. Et bâtissons notre beau pays. Tout le monde a le rêve américain. Le rêve américain, c'est l'Eldorado. L'Eldorado, les gens ont couru là-bas, même aujourd'hui les Mexicains, ont couru là-bas pour aller se chercher, faire la vie. Parce que là-bas, c'est le pays de la liberté, plein de possibilités. Prenez le Katanga de la même façon. Moi qui ai vécu au Canada, les Knondike, c'était la même chose. Les coureurs du bois sont arrivés en masse pour les chercheurs d'or. On n'a pas appelé à l'extermination. Calmez-vous. Celui qui veut exterminer, c'est moi qui vais l'exterminer de mes mains. Faites la paix. Aimez-vous. Bâtissez ensemble. Arrêtez, arrêtez la haine qui n'a pas de sens. Celui qui va venir m'insulter, il va avoir affaire à moi personnellement. Les esprits des anciens se sont déjà réveillés. Ce sont mes terres. Les terres de mes ancêtres, les terres sont rouges de sang. Ce n'est pas les Kassaïens qui ont tué les ancêtres. Ce sont les bois, les Tanzaniens de Tabora. Aujourd'hui, ils font, comme on dit, ils sont en train de monter toute une pièce pour prendre nos terres katangaises. Faites attention. Chers Kassaïens, vous êtes les bienvenus sur mes terres. Chers Katangais, accueillez vos frères, vivez ensemble. Vivez surtout ensemble en harmonie en vous respectant les uns les autres. Apprenez aux uns les us et coutumes. La bonne manière de vivre. L'homme blanc nous a trouvés nus. Il nous a appris à nous habiller, à manger à table les bonnes manières. Si l'un n'a pas de manières, apprenez-le. N'écoutez pas les détracteurs. Ils vont tous vous exterminer. Et les Katangais et les Kassaïens. Allez en paix. Je vous aime tous. Enregistrez mon message. Faites-le passer jour et nuit. Celui qui va écouter ce message de paix, il déposera son arme blanche par terre. Il ne fera plus du mal. Merci.